Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bonjour Nabil. Monsieur, nous avons découvert une entrée, elle fait face au nord. Tu as bien vérifié. Mais c'est une merveilleuse nouvelle, mon garçon. Une merveilleuse nouvelle. Nous avons un nom, j'espère. Non, il n'y a pas de nom. Je vois. Bon, très bien. Je vais en informer les autres. À la santé des trésors perdus de Maya. Votre colonel Van Blen doit être ravi. Finalement, il aura fait un bon investissement avec nous. Ne nous emballons pas trop, messieurs. Au dire de Nabil, les inscriptions ne font pas mention du nom d'un occupant. Son nom importe peu. C'est ce qu'il possédait de son vivant qui compte pour la vente. Bien au contraire, monsieur Young. Pour les anciens, la véritable essence d'un homme se trouvait dans son nom. Le fait d'enlever son nom à l'entrée du tombeau était considéré comme un bannissement du monde de l'au-delà. Ah, les meilleurs parmi nos amis vont en enfer de toute façon. Pas en enfer, non, il n'existe plus. Esmal la vie, t'as à l'arena. Nezel. Je suis coincé. Pas de panique, Parsons. Respirez par le nez. Ou par ton cul, si tu préfères. Et je vous emmerde, monsieur Young. La chambre mortuaire doit être plus loin. Stupéfiant. Un mortier intact. On n'y a pas touché. Donc pas de pillard. Apparemment, non. Une chance pour nous. Non, cela relève beaucoup plus de la peur. C'est une malédiction, hein? Bien sûr que c'en est une. Une momie qui se respecte se fait toujours jeter un mauvais sort. C'est bien connu. Alors, traduisez. Écoutez ceci. Tous ceux d'entre vous qui êtes humains, vous qui vivez et qui jouissez de l'existence, fuyez cet endroit, abandonné par tout ce qui est sacré. Je vous le dis, moi qui ai péché dans le bastion de la vérité et qui ai osé massacrer les innocents. Moi qui ai confondu terreur avec plaisir. Opinion néfaste de lui-même. Enfin, s'il était riche, on ne lui en tiendra pas rigueur. En français, Nabil, tu n'auras plus de champagne. Nous avons un nom. Pas Maya? Visiblement pas. Mais lui, est-ce que c'était un personnage important? Oh oui, c'était un personnage très important. Bon, maintenant, on remonte. Il n'y a pas de richesse à moissonner ici. Je ne vais pas discuter, Torkel, mais nous mangeons du sable depuis près de 9 mois. Vous faites fausse route.
Alors moi, je vais percer ce mur avant l'aube. Vous pourrez être à mes côtés et partager la gloire, ou en lire le compte-rendu dans une cellule de prison anglaise. Alors, à vous de choisir. Sir Richard, puisqu'il veut y aller, il faut que je l'accompagne. Mais vous, non. Alors je vous en conjure, retournez à Londres, et au plus tôt. Moi, manquer la plus grande occasion de tous les temps, jamais de la vie. Oui, bien sûr. Je comprends. Alors, je commence. Nous entrons dans l'histoire. Non, non, c'est un sacrilège. Nous sommes des archéologues, pas des pilleurs de tombeaux. Alors faites attention. Comme vous voudrez, Sir Richard. À mon avis, le pauvre type de l'autre côté s'en fout royalement. Un instant. Mon Dieu, qu'est-ce que ça pouvait bien être ? Je pense que c'était le vent. Impossible. Vite, sortez d'ici. Vous, Sir Richard, Sir. Sir Richard, qu'est-ce qui m'arrive? Au secours, aidez-moi! Au secours! Remontez-moi! Remontez-moi! Oh. Au secours! Remontez-moi! Remontez-moi! Ah.
Comment ça va? Moi aussi. J'ai demandé des données précises. Ah, merci. Tu m'as manqué, ma vieille. Je devais faire partie de l'expédition la première fois. Cette blessure de guerre m'en a malheureusement empêché. Le sort vous offre une seconde chance. Et cette fois, le monde va connaître votre grand-père et son œuvre. L'exposition représentera l'héritage qu'il nous laisse. Aïe ! Bien. Ah, regardez. Elle est belle, non ? Oui, très. Des dates. Je vois des dates, une série de nombres. Tu penses à une date bien précise. T'es très fort. 4. Janvier, février, mars. Le mois d'avril, le 4e mois et le 20 avril, voilà. L'anniversaire de mon grand-père. T'es très doué. Ben, je sais pas, ça me fait un peu peur parfois. Je suis médium. Je vois l'avenir. Simple déduction à partir des tas de questions ineptes qu'il pose. Un vieux truc, c'est une supercherie. Oui, bon... Attends, laisse-moi t'aider. Faut la serrer, cette ceinture. Écoutez-moi. Le vieux a enfin réussi à aplanir toutes les difficultés. Départ prévu dans une heure. Ah, c'est fait, Buck. Merci. C'est mon imagination ou il fait un peu frisqué. On se croirait en hiver. T'as fini de jouer, Brad. Une fois à l'intérieur, j'exigerai de tous intégrité totale et professionnalisme. Claire, tu pourrais, s'il te plaît, définir le mot « intègre » pour moi ? Bah, tu n'as qu'à lire dans mes pensées. Tu vois mon doigt ? Qu'est-ce qu'il dit ? Ah, oh, oh ! Désolée. Ça fait mal. Bon, écoute, ce qu'il faut que tu saches, c'est que si t'es pas bien dans ta tête, je ne te laisserai pas venir avec nous. Ma tête va très bien. Moi, mes facultés mentales sont intactes. Je te demande pardon. Là, ce n'est plus le chef de groupe qui te parle. C'est Buck, le tendre, l'adorable fiancé. Je t'en prie, Samantha, on a convenu que les secrets sont interdits entre nous. Ah, dis-moi tout. Il aura fallu 50 ans pour que ce journal me parvienne. Durant tout ce temps, pourquoi n'a-t-on pas visité cette tombe ? Pour être parfaitement honnête, Sam, ce que ton grand-père a fait n'incitait pas à la curiosité. Non. Ce ne sont pas les divagations d'un maniaque. Ce sont les morceaux choisis d'un érudit. Mais érudit qui a falsifié sa documentation. Comme précaution pour empêcher qu'on puisse trouver l'entrée. Il dit qu'il s'est trouvé en présence du mal, Buck. Ah, mais oui, je le sais bien, il se trouve à la fin, ce passage. Sauf que j'y crois, moi. Il a provoqué l'explosion, chérie. Mais je ne conteste pas les faits, bon sang. Je me demande si, oui ou non, la décision prise fut rationnelle. Celle de provoquer l'explosion ? Ça te semble rationnel comme décision à toi ? Mais il ne s'agit pas de ça, Buck. Moi, je dis qu'on ne doit pas y aller. Écoute, Sam. Ton grand-père était perturbé. Le désert lui avait fait perdre ses esprits. Oui, peut-être qu'on en est tous là. Je vais me préparer. Contrôle opération, vous me recevez ? Chef de groupe à contrôle, je vous reçois, à vous. Professeur Marcus, pardon, c'est pas vrai. Mais si, bonjour, monsieur Cortez. Ah ben, vous êtes très doué. Vous avez réussi à me joindre. Arrête de déconner, Cortez. C'est pas un voyage d'agrément. Merci, docteur Malronet. Je vous reçois 5 sur 5. La vidéo cassette.
S'il vous plaît, réglez votre stabilisateur. Merci. Incontestablement, c'est à une Turkel que revient l'honneur. D'histoire, on ne nous a jamais appris ça. Eh bien, les livres d'histoire viennent d'être réécrits. Oui, en effet. De toute évidence, on ne voulait pas qu'ils sortent d'ici. On ensevelissait les morts avec ce qui leur était le plus cher de leur vivant. Il était donc tout à fait indiqué d'enterrer Talos dans sa chambre des horreurs. Professeur, vous voyez ceci? Oui, Samantha, je le vois. C'est magnifique. Le culte des étoiles était une coutume très courante. Celui du Soleil en particulier. Mais ce sont des planètes. Mercure, Vénus, la Terre, Mars. Parfaitement alignés. Stupéfiant. Monsieur Cortez, ça va? Remontez immédiatement! Brad! Brad, qu'est-ce qui se passe? Brad! Vite! Il faut l'aider! Vite! Respire, Brad! Chef de groupe au contrôle! Mais qu'est-ce que vous faites, bon sang? Vite! Bob, merde, qu'est-ce que tu fais? Tu sais ce bijou de fiançailles que je t'ai toujours pas offert? J'ai de quoi rendre jaloux le plus grand bijoutier. Très bien, t'as eu ce que tu voulais. Alors maintenant, tu remontes. C'est l'œil Watchet. Oh, quelle merveille. Buck, il n'en vaut pas la peine. Laisse tomber. Buck, ne bouge pas. Buck. Attrape. Ça va, je l'ai. Tu reviens doucement. Salut Stuart. Vous rentrez tôt aujourd'hui? Eh oui, j'aimerais bien récupérer mon samedi, enfin le peu qu'il en reste. Oui, il faut bien se reposer, hein. J'y compte vous bien. Vous avez des projets? Ah, mon collier.
Alors ça, c'est très classe. Ouais. Merci, Stuart. Je ne vous retiens pas. Salut, mon beau. T'as faim? À Rome, les chefs religieux de plus de 12 pays déclarent que cet alignement planétaire correspond directement avec ce que la Bible aurait prévu être le jour du jugement dernier. A l'inverse, des scientifiques réunis à Genève soutiennent qu'un tel événement s'est produit à plusieurs reprises dans le passé et qu'en aucun cas on ne peut interpréter les grandes marées et quelques secousses sismiques possibles comme le prélude à Armageddon. Le British Museum vous convie à une visite dans le passé. Les matériaux présentés ici ont... Mesdames et messieurs, le muséum va maintenant fermer ses portes. Veuillez vous rendre à la sortie la plus douce. Merci de votre visite. Mesdames et messieurs, le muséum va maintenant fermer ses portes. Veuillez vous rendre à la sortie la plus proche. Merci de votre visite. Excusez-moi, monsieur. Le muséum va fermer. Oh, professeur, je suis désolé, je ne vous... Oh, non, ne vous excusez pas. Vous faites votre boulot, Karl. Ah, il est tard, en effet, oui. Et personne ne peut arrêter le temps. Vous en convenez, prince? Par ici, professeur. Veuillez me suivre à l'aile-sous. Très bien. Entrez par effraction. Salle 22. Un homme est blessé. Envoyez une ambulance. C'est urgent. J'ouvre la grille. Sam, s'il te plaît, lis ceci. Il faut croire. La vérité. Chef, tout est là. Non, ne l'emmenez pas tout de suite. Les Américains envoient un de leurs hommes. Il est en route. Bon, très bien. Je ne voudrais pas créer un incident diplomatique. Ouais, comme vous dites. Il s'appelle Terence Moore, sénateur américain. Il est en vacances ici. Je savais que pour vous sortir du lit, ça devait être très important. Mm-hmm. Nom de Dieu. Joli travail. Très belle énucléation avec le nerf optique totalement intact. Pourquoi? Comment ça, pourquoi? Il n'y a pas d'explication pour un tel geste. Dans l'esprit du tueur, il y en avait une. Vous êtes qui? C'est l'inspecteur Riley de l'ambassade américaine. Comme vous dites, ça n'a pas été fait par un amateur. Travail d'expert. Les yeux, on lui a extirpé après ou avant de l'étrangler? Oh mon Dieu, après j'espère. On peut tous l'espérer, mais peut-être qu'il préfère voir ses victimes souffrir avant de les achever. Ses victimes? Excusez-moi, mais il me semble que c'est un peu prématuré. Il avait quoi sur lui? Carte de crédit, montre, enfin un peu de tout en fait. Il n'a pas été fait pour son fric. Donc, un meurtre de maniaque. Je voudrais tous les détails. On les aura après l'autopsie. Ok. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Allons-y. On a trouvé deux billets de théâtre dans son portefeuille. Quelle pièce? Quatre. Où est sa femme? Sa maîtresse. Oh, laissez tomber, elle souffre de catatonie. Sa santé, je m'en fous, je veux savoir où elle est. Doucement, ne craignez rien.
Elle souffre de catatonie, on laisse tomber. En ce moment, elle doit nous surveiller, espérant qu'on appréciera son travail. Le soir, on assouvit son ego dangereux. Je suis prêt à parier qu'il nous prépare un autre chef-d'œuvre. Alors, comment se sent-il ? Ma ! Allez, parlez-moi de la texture de la peau. La texture est... Elle est morte ? Je n'en sais rien, moi. C'est lui qui le dira. Voyons voir s'il veut bien se confier. Oh, il dit « Je suis mort », cela fait 18 à 24 heures environ. Ok, aujourd'hui, c'est le cerveau que nous examinerons. Et pour cela, nous devons d'abord commencer par... Docteur Mulroney, cet homme n'arrête pas de téléphoner. Enfin, mais il est malade. S'il rappelle, soyez gentil. Dites-lui que je viens d'être mutée. Sam, il faut qu'on se parle. Au bureau, on me dit que t'es malade. Et... Brad, où est-ce que tu es? Quelle importance? Je t'en prie, Brad, je veux t'aider. Monsieur. On dirait Jack l'éventreur. On a affaire à un imitateur. Non, non, c'est Jack l'éventreur lui-même qui a fait ça. Il a fendu le plafond, percé un trou dans le plancher, il y a balancé Olga Grozny et enfin, il lui a enlevé les poumons tout en douceur. Et voilà, terminé, on rentre. Ah, oh, super.
Alors c'est quoi votre théorie, hein? J'ai pas de théorie. Au risque de recevoir une baffe, je peux vous poser une question indiscrète. Oui, allez-y. Vous avez pas baisé depuis combien de temps? Non, quoi? Non, je ne répondrai pas à cette question indiscrète. Ah, merci, c'est bien ce que je croyais. Nous avons deux victimes. À l'une, c'est les yeux qu'on prend, à l'autre, les poumons. Qu'ont-elles en commun? Elles sont étrangères. Bien, vous en déduisez? J'en déduis qu'elles n'ont pas été choisies par hasard. C'est ça. Donc, tâchez de savoir si Grozny avait des liens d'affaires ou autres avec l'Américain et voyez au consulat s'il y a des parents qu'on pourrait interroger. Permettez, une seconde. C'est quoi ça? On dirait de la gaz. Ça vous rappelle rien? Si, c'est une épice. C'est de la cannelle. Laissez-moi faire. Je fais un malheur en cuisine. Est-ce que je dois vous faire confiance? Il y a un commencement à tout. Passez-moi de l'eau. Merci. Ah, salut Bradley. Tu as l'air singulièrement dingue ces jours-ci. C'est gentil de le remarquer. Quant à toi, tu es très chic, très smart. Et tu as aussi le chic d'emmerder et de faire chier le monde dans les grandes largeurs. Alors, pourquoi tu ne réponds pas à mes appels? Lâche-moi. Tu vas me répondre ou je me fâche. J'appelle la sécurité. Cette créature a déjà attaqué. On l'a découverte. On est responsable. On a 3 jours pour la retrouver. Alors je vais te donner un bon conseil, Bradley. Tu vas prendre ces 3 jours pour essayer de trouver un psy de toute urgence. Je t'en prie, il le faut. Il faut retrouver cette créature, sinon... Mais quelle créature, enfin, Bradley? Il n'y a jamais eu de créature. Talos n'est que cendre en admettant qu'il ait existé. Alors explique-moi le coup du muséum et les 3 morts en une semaine, Claire. Bien sûr, tu ne vois rien, toi. Moi, je vois. Et je sais. C'est un don que j'ai. Je vois tout dans ma tête. Oh, non. Je te jure. Écoute, laisse-moi être ton guide. Oui, eh bien, si tu n'y vois pas d'inconvénient, je ferai la visite toute seule. Claire, jeudi à 10h55. Si on ne l'arrête pas, ce sera le commencement de la fin du monde. Merde. Décide, oui ou merde. Attends, je dois aller aux toilettes avant. Hey, Gizmo, t'es en manque, on dirait. Merde. Thank you.
Je voudrais voir Mademoiselle Torkel. C'est moi. Je peux vous aider? Si vous pouviez m'accorder quelques minutes. Oui, bien sûr. Je reviens tout de suite. Vous étiez en congé maladie lundi et mardi. Vous avez des ennuis de santé? Oui, j'ai fait une sinusite. C'est la poussière de momie qui a causé ça, peut-être. J'imagine que vous êtes venu me parler du muséum. En partie, oui. Résumons la situation. Une brusque saute de courant détruit une caméra. Un gardien est tué. Les cambrioleurs se sont donné beaucoup de mal pour voler quoi? Un tas de vieux chiffons sans valeur. Des bandelettes. Des bandelettes? Seulement voilà, il se trouve que ce tas de vieux chiffons est d'une valeur inestimable. Uniquement pour des gens comme vous. Exact. Ça fait de moi un suspect? Non, uniquement un expert. Ce Bradley Cortez, vous avez de ses nouvelles? Il vient de perdre son travail et depuis, on ne sait pas où il est passé. Je vois à votre réaction qu'il est plus qu'un collègue. Ça veut dire quoi, ça, inspecteur? Ça veut dire, mademoiselle, que le suspect a le profil type d'un être instable et qu'il a un rapport direct avec l'exposition Talos. Non, vous vous trompez. Brad a des problèmes, oui. Mais la violence n'en fait pas partie. Vous avez été sa maîtresse? Ça ne vous regarde pas. C'est très indiscret. Mon seul souci, c'est votre sécurité, mademoiselle. Je vois. Mais enfin, cet homme a un lien avec l'exposition. Et donc avec moi. Je serai très prudente, inspecteur. Oh. Mon numéro de portable. Appelez à n'importe quelle heure. Jour et nuit. Je voulais vous demander... Mon grand-père possédait un journal qui a été saisi au muséum. Quand pourrais-je le récupérer? C'est... J'y tiens énormément. À ce point-là. Je vous promets qu'après les analyses, on vous le rendra. Bien entendu, si vous êtes un homme de parole. Les victimes 2 et 3 ont débarqué à Heathrow le 7 septembre, mais sur des avions différents. RAS, d'après les services de sécurité. Elles ont été repérées à l'aéroport. Est-ce que vous avez entendu parler de la chirurgie psychique? Ah non, ça jamais. Ah, eh bien, j'ai lu des trucs sur la façon d'opérer et je... Oui, je sais, mais écoutez-moi. Ce sont des êtres humains ordinaires qui enlèvent des organes aux malades sans instrument. Fascinant. Ah oui, c'est ça, j'ai pas de preuves, donc vous niez que ça existe. Oui, il y a un peu de ça. Alors dites-moi, quoi de neuf avec les autres copains de Talos? Oh, je viens de retrouver le vieillard. Le professeur Marcus? Ouais, il est à Paris jusqu'à lundi prochain, il doit faire une conférence sur les scarabées. On me dit que ça passionne beaucoup de gens. À mon avis, c'est une bande de tordus. Pas la fille Torkel? Ah non? Non. Non, c'est pas du tout ce que vous croyez. Je pensais à son intelligence, bien sûr. Ah oui, j'avais bien compris. Ben voyons. Ah, ben voilà. Parfait. Non, attendez, Riley. C'est le facteur, un colis, monsieur Cortez. J'ai besoin de votre signature. Monsieur Cortez? Riley, allez voir. On dirait que Cortez et vous flirtez avec la même princesse. J'envoie une voiture à son appart. Ah ah.
Inspecteur. Bonsoir. Ce n'est sûrement pas une coïncidence. Ça pourrait, mais non. J'ai trouvé ceci chez Cortez. J'aurais bien besoin de votre avis d'expert. Allons dans mon bureau. Voilà. Oh, enfin une bonne nouvelle. Ça change, tout c'est pareil, hein? Au revoir. Au revoir. De journaux, rêves scientifiques. Il surveille de près ce fameux alignement planétaire, comme tout le monde. Rien qui puisse l'incriminer. J'admire votre loyauté. Oui, vous l'admirez peut-être, mais vous ne me croyez pas pour autant. Vous savez, j'ai un inspecteur avec 20 points de suture à la tête. C'est un souvenir de votre Cortez qui est assez troublant. Oui, j'en suis vraiment désolée. Mais de là à l'inculper de meurtre... Très édifiant, princesse. Je ne suis pas princesse. Ne m'appelez pas comme ça. Et maintenant, j'ai très faim. Alors soyez gentil de... Un dernier point. Racontez-moi Talos, s'il vous plaît. Voici ce qui est à l'origine du mythe. D'après les inscriptions, Talos avait demandé à ses disciples, après sa mort, de prélever tous ses organes. Il croyait fermement que leur prince les réclamerait un jour pour lui-même. On enlevait ses organes dans un ordre particulier? Les yeux, les poumons, la pituitaire, le foie, le menton. Et le cœur pour finir. Oui. Ça veut dire quoi? La résurrection? Plus précisément, la transmutation. Un mot de Scrabble? En fait, c'est un terme d'alchimie. Un mot qui veut dire... ramener l'homme à son état primordial, où il avait la grâce, la force, la perfection, et... pour conclure, l'immortalité. Ce que Cortez s'évertue à trouver. Ah. Ce que tout le monde aimerait trouver. Alors, on fait quoi maintenant? On l'embarque. Avant qu'il puisse commettre une autre atrocité. Oui, et à supposer qu'il en ait déjà commise. Par amitié pour lui, dites-moi ce qui se passe. Non, Riley. Vous ne me croiriez pas. Ce serait... On peut essayer. Dites, j'ai une faim de loup, moi aussi. Et il se trouve que je connais un pub irlandais. Un flic américain qui connaît un bon pub irlandais, ça c'est étonnant. Je perds mon temps, mademoiselle Torkel. Appelez-moi Sam. Ah.
il est un peu tard, tu ne trouves pas? Oui, oui. Les églises sont toutes fermées et... Ah, merde. J'ai vu ta photo à la télé. Apparemment, la police veut t'interroger. Écoute, t'as vraiment pas intérêt à me livrer aux flics. N'y pense même pas, c'est clair. Parce que je vais te dire, il y a de très méchants karma dans la rue. Des méchants, très méchants karma. Au lieu de boire, respire à fond. Ça va aller. Calme-toi. Il faut faire ce que je te dis. Tu sais bien que jamais je ne te ferai de mal. Tu le sais bien. La seule façon d'évacuer ta peur, c'est par la confrontation en la regardant en face. D'accord? Très bien, viens t'asseoir. Tu m'entends? Viens. Voilà. Très bien. Alors, tu prends une grande inspiration par le nez et tu expires par la bouche. Ferme les yeux. Bien. Plus de tension. Excellent. Cherche la lumière. Visualise ta lumière intérieure. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu me prends pour un con? Merde, je t'en foutrais, moi, de la lumière intérieure! Bradley! Tu dois te rendre à la police, d'accord? Jamais! Je ne peux pas! Tout ce qu'ils vont faire, c'est m'enfermer! Tu comprends ça? M'enfermer! Edith! Y a que moi qui puisse sauver le monde! Bon, alors tu es dans l'obligation de dire aux autorités tout ce que tu sais, ce que tu as vu. Edith m'a tous dit à moi. Bradley. Je ne sais plus quoi faire, j'ai plus personne. Ils sont tous morts. Je le sais. Il te reste moi. Je suis toujours là, moi. Oui. Hein? Oui. Puis je viens avec toi. Putain, mais... Edith! Ne fais pas... Pose ce téléphone! T'entends? Pose le téléphone! Tout de suite, Edith! Allez! Tu sais, je sens beaucoup d'énergie négative ici. Quoi? Tu as besoin d'aide, Bradley. Oh non, tu plaisantes! Merde! C'est toi, oui, c'est toi qui seras cette aide. Tu ne me refuseras pas, Edith. Non, tu n'en as pas le droit. Oh si, j'ai le droit! C'est ce que tu vas voir! Edith! Oh, cette arme! Edith! Jamais je ne pourrai travailler avec toi dans cet état-là! Non, jamais! Jamais! Bradley! Arrête! Pose ton revolver! Pose-le! D'accord. Très bien. Alors, qu'est-ce que tu veux? Un corps astral. Oui. Ce que je veux, c'est le déplacement astral. Je veux que tu me transportes dans le regard de sa prochaine victime. Je dois admettre que je pense rarement à la mort de Buck. Vous avez été très occupé? Non. Moi, je pensais au sarcophage, aux bandelettes. Tout ça avait une... était... tellement présent. Pendant des semaines, personne n'osait s'en approcher. Même pas les mouches. Ils étaient étendus là, à moitié ensevelis sous le sable. Le corps a été pris de folie. Personne ne pouvait plus se contrôler. Tout le monde était affecté, mais chacun d'une manière totalement différente. C'était comme une noirceur, une méchanceté presque palpable. Vous buvez trop. Non. Je n'étais pas la seule à ressentir cette influence. C'était un pouvoir. Un pouvoir néfaste. Une question indiscrète, je peux? C'est drôle, j'ai une sensation très désagréable. Non, je comprends pas, c'est tout. Vous êtes intelligente et vous admettez la possibilité d'une malédiction grotesque. Eh bien,
Il y a un grand nombre de mystères dans le monde que la science ne sait pas expliquer. Comme quoi? Dites-moi ce que la science ne peut pas expliquer. Et la science, vous, vous sauriez l'expliquer? Vous permettez que je vous parle de ma tante Béa? Pourquoi? J'ai le choix? Non, pas vraiment. Tante Béa était médium. Vous voyez? Vous abondez dans mon sens. Non. Sa spécialité, le marc de café. Elle prédisait presque tout. Par exemple, un job, un voyage, une naissance. Et même une fois, un accident de voiture et la date. Enfin bref, quand j'étais adolescent, elle devait avoir 90 ans à l'époque. Il y avait une question que je brûlais de lui poser. Vous savez, chez nous, on disait aux enfants que poser des questions, ça se faisait pas. Mais moi... Quitte à vous faire gronder. Je l'ai fait. J'ai dit, tante Béa, quand tu regardes dans le marc de café, dis-moi ce que tu vois dans la tasse. Alors elle m'a regardé avec ce petit sourire mystérieux qu'elle avait. Et j'oublierai jamais le mot qu'elle a eu comme réponse. Qu'est-ce qu'elle a dit? Arabica. Ça veut dire qu'il n'y a pas de magie, Sam. C'est ça qu'elle voulait dire. Mon cœur bat la chamade. C'est parce que ce n'est pas ton cœur. C'est celui de l'autre. Il va exploser. Je peux plus tenir. Contrôle ton rythme cardiaque. N'oublie pas que ce n'est pas ton propre regard. Ok, je suis prêt, Edith. Vas-y, ouvre les yeux. De métro. Je vois où il va, Edith. Je le sais. Bradley, attends. Dégagez de là. Dodo Quinney. Dégagez de là, je vais aller. Qu'est-ce qu'il y a, Quinney? Qu'est-ce que tu sens? Ah, je vois ce que c'est, tu as faim. Toute seule? Oui, comme une grande. Brad n'est pas idiot, il viendra pas ici. C'est pas lui que vous craignez. Allez, dites son nom. Talos. Ça vous étonnerait si je vous disais que vous n'avez pas entièrement tort? Ouais, ça me rappelle ce tueur. Ce tueur qui prétendait que c'était la faute des voix dans sa tête. Ah oui, et en fait, c'était son chien. Oui, le chien lui donnait des ordres, comme « Vas-y, allez, tue tout le monde ». Et il était psychopathe. Exactement. Enfin, si votre chien vous donne l'ordre de faire une chose pas bien, il faut refuser. S'il s'obstine, il ne faut plus le nourrir. Éventuellement, il se calmera. Je crois que Brad entend des voix. En tout cas, ce dont je suis sûr, c'est qu'il était dangereusement obsédé par,
par les vies antérieures. C'est possible. Mais si dans le cas qui nous intéresse, les voix que Brad entend étaient bien réelles. Bonne nuit. Oui, passez-le-moi. Quoi de neuf? Vous vouliez un rapport sur le gars qui a été éventré dans le parking? Laissez-moi deviner, un témoin a vu Landru sur la scène. Ouais, on ne peut rien vous cacher. Je voulais vous dire que c'était un gars d'ici. C'est vrai? Vous êtes sûr? Ouais, en revanche, son foie n'était pas d'ici, lui. Allez, Barton. Maurice Pratt avait reçu un cadeau d'un donneur d'organes. Son foie lui venait de Corée du Sud. Mon Dieu. Et ce n'est pas tout. Je vous écoute. Un dingue vient de tuer un chien d'aveugle près de Hall Street. Le problème, c'est qu'il l'a tué en lui arrachant la mâchoire. C'est pas vrai. Mais qu'est-ce que... Attendez une seconde. Allô? Tu es là? Ah, Brad. J'ai pas le temps de te parler. Non, ne raccroche pas, surtout ne raccroche pas. Brad, je peux pas, j'ai un rendez-vous ce soir. Avec un flic. Tu sors avec un flic, je le sais. Où es-tu? On dirait que t'as peur, Sam. Je te comprends. Surprise. Ah, Brad. Qu'est-ce que tu fais là?
passé? C'est quoi tout ce sang? C'est pas le mien. C'est celui de qui? Il est à celui qui l'a eu avant toi. De quoi tu parles? Il veut avoir tout ce que tu as, Sam. Mais il faut pas qu'il l'ait. Quoi? Aide-moi. Aide-moi, protège-moi, est-ce que tu comprends? Mais bien sûr que je te comprends. J'y étais, tu te souviens? Oui? Mets-toi à genoux, Sam. Mets-toi à genoux. Pourquoi faire? Chut. Il faut pas avoir peur parce que je peux te jurer qu'après toi, c'est moi qui partirai. Je comprends rien à ce que tu dis, ça suffit maintenant. Ne t'en fais pas parce que c'est moi qui partirai tout de suite après toi. Mais qu'est-ce que tu... Brad. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Arrête. Ah, ça sera moi, je te jure, n'aie pas peur. Mais qu'est-ce que tu fais? Je... Brad, je t'en prie. Brad. Non. Il y a pas de mal, princesse? Vos noms et prénoms pour le dossier, s'il vous plaît, monsieur Cortez. Vous les avez dit à ma place, inspecteur. Cortez, Bradley Cortez. Pour les besoins de cette entrevue, monsieur Cortez a bien voulu renoncer à la présence d'un avocat. C'est un fossoyeur que j'aurais dû exiger. Car je suis un homme mort. C'est un mort qui vous parle. Pourquoi dites-vous ça? Parce que je sais la vérité, et la vérité est passible de mort dans leur culte. Le prince n'est pas réputé pour son indulgence. C'est un peu confus. Vous pourriez peut-être éclairer ma lanterne? Oui, si vous êtes disposé à m'écouter. D'accord, Bradley. Je vous accorde toute mon attention. Alors posez-moi des questions. Pourquoi vouliez-vous faire du mal à mademoiselle Torkel? C'est ce que vous croyez? Merde, qu'est-ce qui vous faut à vous, les flics? Vous comprenez rien. Je lui voulais aucun mal. Sam, pour moi, c'est comme une grande sœur. Et avec cela aussi, vous étiez comme frère et sœur. Non. Regardez. Celui-là, il vous gênait aussi? Ben, lui, non, mais ce que j'aimais pas se trouvait dans son corps. Son foie? Oui, voilà, c'est ce qui faisait de son foie qui me dérangeait. Et les yeux de celui-ci, les poumons de celle-là, et lui, son cerveau? Lui, il en avait pas des tonnes. Ah. Donc, si vous enleviez les organes qui vous gênaient, ça éliminait la colère, c'est ça? Vous, il faudrait tout vous enlever, ma poule. Pouf, malade! Va prendre l'air. À plus tard. Votre copain, il est pas content, on dirait. Normal. Il croit qu'on tient le meurtrier. Oh non, c'est pas moi, inspecteur, vous faites erreur. Alors prouvez-le. Qui? Une clope, et je vous le dis. C'était pas des victimes, ces gens-là. Sans blague. Ouais, sans blague. Votre mystérieuse affaire a commencé il y a 3000 ans. Et votre suspect est un hérétique, un grec exilé de son pays pour avoir commis plusieurs actes de sorcellerie. Il s'appelle encore... Talos. À cette époque, un homme appelé Talos Imopé arriva dans l'Égypte ancienne. Cultivé et charmant, il était versé dans les langues, les mathématiques, ainsi que dans une science mystérieuse. Il fit une telle impression sur le roi Amenhotep qu'il fut bientôt accepté parmi les proches de la famille royale. Et c'est alors qu'il rencontra l'éblouissante fille du roi,
Nefriyama. Au cours d'une cérémonie païenne, ils devinrent mari et femme. Nefriyama idolâtrait son prince. Ceux qui s'opposaient à sa théologie assez particulière étaient terrassés par la maladie. Ou pire encore, torturés jusqu'à ce qu'ils croient. Avec le temps, son enseignement satanique commença à se propager au-delà des frontières du royaume. Des partis opposés à Talos supplièrent le roi Amenhotep de mettre un terme aux agissements de ce fou qui semait la terreur. Autrement, eux, ils se chargeraient de le faire. C'est alors qu'un complot se forma pour l'assassiner. Mais là encore, le vieux roi commit une erreur. Pour sauver sa fille unique, il fit part à Nefriyama de l'assassinat projeté. Elle en informa son prince. Or, Talos savait qu'en aucun cas, ses adorateurs et ses disciples n'étaient de taille à s'opposer au roi dans une bataille rangée. Talos se dit que s'il devait mourir, ce serait de la façon qu'il aurait choisie. Les troupes du roi envahirent la chambre mortuaire. Mais le prince mystérieux avait son idée. Avec l'aide de ses disciples, il pourrait disparaître pendant des siècles. Le roi n'était pas au bout de l'horreur. Car tout au fond de la chambre mortuaire, les embaumeurs découvrirent une bande de cannibales qui dévoraient les organes de Talos et sa propre fille qui mangeait son cœur. Le roi fit aussitôt mettre à mort les disciples, lui-même se chargeant de soumettre Nefriyama au supplice du pal. Et Talos ? Ah. Talos. Eh bien, on n'a jamais retrouvé son corps. Seulement les bandelettes. Une inscription dans la chambre dit que son âme patiente au purgatoire jusqu'au jour où il pourra renaître. Comme par hasard, ce sera jeudi. À 10h55, quand les planètes seront alignées. Une bête revivra sous forme d'un être humain. Et ces quatre victimes, les réincarnations de ses adorateurs, elles seront toutes en Angleterre cette semaine. Non, inspecteur Riley, ça fait 5. Vous oubliez le chien. On peut aussi revenir sous la forme d'un animal. C'est déroutant tout ça, hein? C'était pas un événement fortuit. Ces décisions n'ont pas été prises pour rien. Elles furent gravées dans la pierre il y a plusieurs milliers d'années. J'ai vu le visage de Nefriyama dans cette chambre. J'ai vu Sam dans ce visage. Elle est le dernier vecteur. Son grand-père, lui, fut l'avant-dernier maillon de cette chaîne. Il fallait qu'il meure dès le moment où la tombe fut ouverte. Quelqu'un, un héros, moi, qui passerai pour un malade mental, devra accomplir l'ultime sacrifice. Désolé, Cortez. Ce ne sera pas vous. Je l'aime, moi aussi. On ne peut pas lui imputer les crimes commis par ses ancêtres, mais elle est comptable de leur destin. Tuez-le. Vous êtes fou. De toute manière, Sam est morte. Elle est le cœur, il faut que quelqu'un détruise le cœur. Il le faut autrement, c'est lui qui s'en emparera. Regardez-moi, regardez-moi dans les yeux. Oui, regardez-moi et vous croirez. Voir, c'est croire. Maintenant, tu crois. Maintenant, tu crois. On a notre homme. Espérons-le. Ça va pas? Si, ça va. Rentrez chez vous, coupez le téléphone, il faut vous reposer.
Il faut que je voie Sam avant. Et alors, reposez-vous avec elle. Vous pensez vraiment qu'à ça? C'est une fixation chez vous. Commissaire, quoi de neuf avec Cortez? On le garde jusqu'à demain matin. Où voulez-vous que je le mette? On a l'embarras du choix. Mettez-le dans la 5. Brad? On vous garde jusqu'à demain. Alors on emploie la manière gentille ou la manière forte? J'aime autant la gentille, moi. Ouais, ça vous changera. Oh merde, c'est parti. Ah non, Brad! Comment c'est? Lâchez-moi! Il faut que je sorte d'ici! On se calme! Comment va-t-il? On le met en cellule capitonnée. Nourri, logé, c'est mieux que pour ses victimes. Ouais. Je vous l'apporte comme promis. Écoutez, je ne sais pas pourquoi, mais cette tombe a porté malheur à un grand nombre de personnes. Si mon avis peut vous aider, je crois que votre grand-père avait raison. Sa thèse était la bonne. Venant de vous, j'apprécie. Faites attention à vous. Vous aussi, princesse. Jusqu'à ce que je vous appelle, vous serez sous bonne garde, j'y veillerai. N'en est pas question, je viens avec vous. Je vous en prie, c'est pas le moment de discuter. D'accord, mais à une seule condition. Jurez-moi de porter ça jusqu'à ce que moi je vous l'enlève. Vous plaisantez, vous savez ce qui se passe, mon sang. Je vous en prie, faites-le. Faites-le pour moi. Tous les signes d'une mort subite. Cela est visible d'après la décoloration de la peau, le violent traumatisme à la nuque et les fractures des vertèbres. Ça s'est passé comme ça. Il n'a pas eu le temps de souffrir.
thé? Non, ça commence par N. Croisement ou pense bête en 5 lettres. Ah! Ne. Non, moi je parlais du thé. Je vous en offrais une tasse. Oui, avec plaisir. Nature ou avec du lait? Un peu de lait, merci. Bien. Un gorille cruciverbiste. Des témoins? Oui, il y en a plein. Ils sont tous morts. Mais il nous reste un chat. Thank you.
Pourtant, Cortez l'a bien dit. Justement, ça c'est compréhensible de la part d'un dément, mais venant de vous. Moi, je ne vois rien de plausible dans tout ça. Alors il serait peut-être temps de voir du côté de ce qui n'est pas plausible. Oui, peut-être. Après tout, pourquoi pas? Vous savez ce qu'on a trouvé sous les ongles de Barton? Laissez-moi deviner. Des bouts de peau de celui qui l'a attaqué. Exact. Sauf que ces bouts de peau étaient de la toile. Ah, j'aurais dû m'en douter, inspecteur. Il est temps pour vous, je crois, de prendre des vacances. Pas avant d'avoir trouvé. Vous n'avez pas voix au chapitre. Et ça, qu'est-ce que c'est? La dernière mode aux États-Unis? C'est un moyen de protection. Contre la momie, sans doute. Vous n'êtes pas dans votre état normal. Je vous interdis de vous occuper de cette enquête. Laissez tomber, autrement vous êtes grillé des deux côtés de l'Atlantique. Je me fais bien comprendre? Parfaitement. Evening Standard, plus que 10 heures avant le rendez-vous des planètes, demandez le Evening Standard. Voilà, madame. Demandez le Evening Standard. Edith Butros, je suis ravie de faire votre connaissance. Ici l'inspecteur Riley. J'ai trouvé votre carte dans l'appartement de Brad Cortez. Qu'est-ce qu'il a fait comme bêtise encore? Malheureusement, pour lui, c'est du passé, tout ça. Brad est mort? Avant de mourir, il a dit des choses plutôt bizarres. Des choses difficilement croyables. Et vous, vous y croyez? Oui, un peu, oui. D'accord. Je ferai ce que je pourrai. Pour Brad. Merci. Et... au revoir. Professeur Marcus? Ah. Je suis l'inspecteur Riley. Ah oui. Par ici. Je suis venu dès que j'ai reçu votre message. Avez-vous d'autres nouvelles pour Sam? Non, rien encore. J'ai parlé au docteur Mulrooney, elle vous accorde un rendez-vous. Ah, de mauvaise grâce, j'imagine. C'est pour Sam qu'elle a accepté. Des auras positives influencent les négatives. Excusez-moi, je ne vous connais pas. Je suis Edith Butros, et vous êtes ravie de faire ma connaissance? Oui, je suis sûrement ravie. Qu'est-ce que ça? Dites-moi, si ces victimes récentes ont toutes été sacrifiées conformément au rituel, alors qu'adviendra-t-il de Sam? Nous n'en savons rien. Si on le savait, on prendrait des mesures. En tout cas, Bradley jure que la dernière pièce du puzzle est dans la poitrine de Sam. Oh, sauf votre respect, professeur, il faudra plus que la parole de Cortez pour me convaincre. C'est beaucoup plus que sa parole. Brad a des dons psychiques très réels. Nous avons moins de 5 heures pour la trouver. Moi, je suis indemne. Qui pourrait me fournir une explication logique? Eh bien, j'en ai une, moi, qui n'est pas des plus orthodoxes. Ça n'est pas étonnant. Ça relève du monde des esprits, sans doute. Il faudrait un vecteur pour la contacter et porter sur le spirituel de préférence. Pour Sam, j'étais prête à aller jusqu'aux limites du rationnel, mais ça, non. Claire, revenez. Qu'elle s'en aille. Docteur! Docteur, attendez, s'il vous plaît, attendez. Écoutez, je ne vous demande pas de croire à des choses auxquelles moi-même je ne crois qu'à moitié. Mais s'il y a une chance sur 1000 que cette femme puisse nous aider à retrouver Sam, moi je suis prêt à essayer. Mais enfin, je rêve, c'est complètement insensé. Y a-t-il une solution sensée? Donnez-la-moi. Allez-y, je suis preneur. Aucune. Mais j'ai peur. Vous comprenez? Dites-moi que vous comprenez. Oui, je vous comprends. Parce que moi aussi j'ai peur. Peur à l'idée que vous puissiez la laisser tomber. Comme on l'a fait pour Cortez. Bon, d'accord. Que vous faut-il? Voilà, Sam! Mon Dieu!
vous inquiétez pas. Les ions négatifs sont bénéfiques. Tu es avec Samantha maintenant. Ses yeux sont les tiens. Dis-moi ce qu'elle te fait voir. Désolée, mais est-ce que je suis la seule? Taisez-vous, Claire! Je vous en prie, s'il vous plaît, docteur. Oh, pardon, mais voilà qu'elle cause avec un mort! La mort n'existe pas. C'est seulement un transfert de nos énergies. Et si on capte les siennes avant que le transfert puisse se faire... Tu vas me manquer, tu sais. Des symboles. Ça veut dire quoi? Traduction littérale... Sous la pyramide, sur l'eau. Ça ne vous dit rien? Non, malheureusement. Il y a le squelette d'un édifice sur la Tamise. Les vestiges d'un de ces vieux super palaces. Ah, oui, je me souviens. Au cours des travaux, un étage s'est effondré. 5 ouvriers furent tués. Oh, les travaux n'ont pas pu être terminés. Oui, il y a des chances que ce soit ça. Je veux bien, mais à supposer qu'il y soit, comment fait-on pour arrêter quelqu'un qui a vécu il y a 3000 ans? Ce quelqu'un que nous cherchons n'est pas un être de chair. Au contraire, il convoite la chair. Ce
ceci symbolise l'œil gauche du dieu Horus, qui lui fut arraché au cours de son combat avec Seth. Il possède d'extraordinaires pouvoirs de protection. Nous ne devons jamais nous en départir. Comment ? C'est ça ? Ça qui est notre seule arme contre cette force dont vous nous parlez ? Pour moi, oui. Pour l'arrêter, le seul moyen, c'est le mantra. Il faut qu'une personne réincarnée, Samantha en l'occurrence, le récite cette nuit, au moment précis de la modification axiale. C'est le seul moyen. Je comprendrais que personne ici ne veuille poursuivre cette... Oh, nous avons commencé. Nous n'avons plus le choix. Moi, je suis d'accord. Pour Sam. Pour nous tous. À Brad. Je veux nous retarder. Il y a un autre chemin. Oui, approchez-vous. C'est une manif. Il fête le commencement de la fin. Vous êtes fait mal ? Ça va ? Oui. Vous pouvez marcher ? Je me suis un peu tordu la cheville. C'est rien. Laissez-nous passer. Réussi à vaincre la volonté d'Amona. Jamais auparavant, des yeux humains n'ont pu jouir d'une telle splendeur. Agenouille-toi au pied de Talos. Nefriyama ne s'agenouille pas sur l'ordre d'un infidèle. C'est ici.
Attention! Ça va? Oui, oui, très bien. Ok, allons-y. Professeur, ça va? Mais oui, mais oui. Venez, c'est par ici. Soyez prudent. Longez le mur. Ce sera difficile à trouver. Pourquoi on se sépare pas? Ce sera beaucoup plus efficace. Oui, excellente idée. Venez avec moi, Edith. Attention. Ah, doucement. Venez. Venez, venez par là. Ah! Une fuite de gaz! J'ai un briquet. Bien. Allez-vous-en. Talos. Bonsoir, professeur Marcus. Vous savez mon nom? Tout comme vos pensées. Les innombrables heures que vous avez passées au muséum, à contempler ma prison funéraire, à vous demander ce que ça vous ferait de parler à une déité. Ah oui. Et maintenant, votre seul et authentique désir sera exaucé. Ah oui. Oui. Non. Il faut le combattre, professeur. Il veut contrôler votre esprit. Il faut le combattre. De sentir ces couteaux de lumière, le puissant Amon-Ra vous le commande. Partez! Partez! Ah ah partez! Ah ah partez! 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 On a réussi, professeur! Ils sont partis! Chut! Un peu de silence, Boros. Silence! À genoux et adorer l'objet vénéré. Ah, oh mon Dieu! Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Talos! Talos! Lumière. On a 6 minutes. D'accord. Je suis désolé, mais on n'a plus le temps. Oui, je sais. Donnez-moi ça. Bon, maintenant, allez-y. C'est moi le docteur, non? Allez-y. Thank you.
Où est Monsieur Riley? Ne vous en faites pas pour lui. Qu'avez-vous fait à Madame la voyante? Non, ce n'est pas moi, c'est lui. Il est venu à moi, il était trop fort pour moi. Lui, c'est qui, Marcus? Il n'y a rien ici. Vous aviez raison. D'extraordinaire pouvoir de protection. Talos! Il est venu vous voir aussi. Il vous a promis quoi, à vous? Vous vous prenez pour qui? Comment osez-vous prononcer son nom? Le nom de celui qui a créé l'histoire que vous enseignez? Qu'est-ce que vous dites? Où est Monsieur Riley? Il est dans l'endroit où précisément il est censé être, et exactement au bon moment. Sam! Je suis là! Sam! C'était vrai. Je sais. Ne la touche pas! Ne le laisse pas vaincre, Riley. Ne le laisse pas vaincre. Vas-y. Allez, vas-y. Pardonne-moi. Tu n'auras pas ta princesse. Mais je l'ai déjà, ma princesse. La femelle a servi une noble cause. Sa lignée vous aura ramené à moi. Que vous êtes venage, Votre Altesse, vous avez eu tellement d'aventures amoureuses. Durant 3 millénaires, j'ai attendu, vous surveillant, vous guidant, tout au long de vos incarnations. Nefriama est vivante en vous. Souvenez-vous, Votre Altesse. Non. Non! Non! Kayib Jajib Saha Jenek Maha. Village of the Dead. C'est un grand moment, Votre Altesse. Quel bonheur. Nous apporte un rétracteur. Un quoi? Un rétracteur. On s'en sert pour les autopsies, c'est pour écarter les côtes.
C'est sa spécialité. Et les cadavres démembrés? Ce sont des cadavres de labo. Elle y avait accès. Il suffit maintenant de trouver le pourquoi et le comment. Dans une affaire comme celle-ci, le pourquoi est inutile. Dans l'esprit du tueur, il ne l'était pas. Thank you.